Let's go. You should always stay focused. Jour 2. Jour 2. Ballers and ballerettes. On est rendu à jour 2. Puis honnêtement, je suis vraiment déçu. Pour de vrai, je suis vraiment déçu. C'était un... C'est pas un échec, mais je suis déçu. Pourquoi? Parce que on a joué 2 heures de basket. Et puis pour une raison que j'ignore, j'ai seulement 17 minutes de tape. En gros et partout, ça me donnait 25 minutes, là, mais avec le chop chop and screw, ça me donne 17 minutes de tape. Je suis vraiment déçu. J'arrive chez moi, puis là je me prépare à regarder la vidéo, puis commencer à préparer tout ça, puis là je suis comme, mais il manque des vidéos, il manque encore comme plein de temps à ce saut. Puis je regarde, puis quand je regarde jusqu'à la fin, je sais pas pourquoi, mais la caméra s'est arrêtée. La batterie était pleine, la mémoire était vide, là j'ai vidé la mémoire, j'avais amplement d'espace, je sais pas pourquoi, mais la vidéo s'est arrêtée. Je suis vraiment déçu. Je suis déçu aussi parce que I was blessed. J'étais blessed encore une fois. Hein? Jour 2, j'étais blessed encore une fois parce que j'ai joué avec my little brother, Little. J'ai joué avec Little, my guy. Puis, ça aurait été vraiment une vidéo comme genre, wow. Pourquoi? Parce que on a joué 2 heures. Je pense qu'on a perdu peut-être un match. On a perdu un match. Puis le reste du temps, on a joué, on a gagné tous nos matchs, mais c'était plus de la façon qu'on avait gagné, c'était vraiment du beau basket. C'était du beau basket du début jusqu'à la fin, et ça me frustre de savoir que j'ai pas ça pour vous la montrer, pour de vrai, c'est comme... Bleh. J'y ai pensé avant de faire la vidéo avec vous, j'y ai pensé, j'étais comme, tu sais quoi, je mets pas jour 2, mais en même temps, je me suis dit, il faut que je rende quand même honneur à Little, parce que il est dans la vidéo, il voulait voir la vidéo, mais je suis vraiment déçu que c'est ça qu'il va devoir voir. C'est vraiment pas, ça fait pas honneur à Little, sérieusement, parce que si on fait le comparatif encore, mais Little c'est un petit peu plus comme moi. Little c'est un gars qui est un gym rat, autant dans le gymnase pour la musculation que pour le basket. C'était super important, c'est un gros fan de Kobe, fait automatiquement gros fan de Kobe, c'est la même mentalité, c'est faut tout le temps être sharp, tu montes sur le terrain puis c'est total destruction, on n'a pas le temps pour les blagues, on monte sur le terrain, c'est du business du début jusqu'à la fin. Fait que lui aussi il est comme ça. Puis c'est une machine à scorer. Get buckets. Lui, c'est quelqu'un. Pour la 3 points, il est très bon aussi. Il est très fort aussi sur la 3 points. Mais c'est quelqu'un qui peut scorer de toutes les façons, de tous les endroits aussi, n'importe où. C'est Little, je l'ai vu grandir. Little, je le connais depuis, ça fait facilement 13 ans et des poussières, là. Je pourrais même dire 15. Je l'ai connu depuis tout petit, Little. Là, je l'ai vu grandir, puis je l'ai vu comme devenir le joueur de basket qui est devenu. Puis c'est quelque chose d'incroyable. Pour de vrai, là, c'est comme vraiment props pour son éthique de travail, sa façon de s'entraîner aussi, son focus, comment il approche les matchs, même si c'est juste des games comme ça, aussi dans des tournois, la façon qu'il approche les matchs, son mental est vraiment aussi fort que n'importe qui d'autre que je peux connaître. Là, c'est quelqu'un qui est vraiment très focus sur qu'est-ce qu'il fait, puis vraiment centré. Fait que ça reflète sur quand il joue au basket. Fait que c'est une machine à buckets, machine à scorer. Puis la tape reflète pas vraiment, mais j'en parle parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps aussi. On a joué beaucoup un contre l'autre, comme mon team contre son team. J'ai joué contre tous ses frères en plus. J'ai joué contre tous ses frères. Son grand frère, j'ai joué contre lui au Cégep aussi, college. On a joué college un contre l'autre. J'ai joué contre tous ses frères. On a joué des gros matchs. On a fait des grosses séries tout le temps un contre l'autre. C'était tout le temps du gros basket, là. C'était vraiment des gros matchs. Mais quand on a commencé à jouer ensemble, c'est comme si on avait toujours joué ensemble. Comme si on avait toujours joué ensemble. Il n'y avait pas vraiment de « Ok, je suis pas certain, je suis pas sûr de... » Non, c'est « Je sais, tu sais, let's go, let's do it. » Ça a commencé, là, ça a cliqué direct. Même si on mélange un petit peu les joueurs, mes joueurs avec ces gars, on est comme rendu une famille, tout le monde se connaît. Fait qu'un peut jouer avec l'autre, il y a zéro problème. Tout le monde se connaît, c'est rendu comme ça. Puis ça, c'est quelque chose qui a été vraiment...
qui aurait vraiment été cool de voir. Donc je suis désolé, Little, I'm sorry. Mais on va rouler ça quand même, hein, parce que c'est jour 2. Fait qu'on roule ça jusqu'à nouvel ordre. So ballers, ballerettes, on s'inscrit à la page. On met nos likes, commentaires. On n'arrête pas le progrès, guys. Ball is life, you already know. On est dans l'univers du Scorpion Academy. Let's go. Thank you.
No, no, no.